Guten Tag, liebe Schüler. Ich bin Herr Melanchthon Panzu, Deutschlehrer an der Revolution Oberschule. Bonjour, chers apprenants. Je suis Monsieur Panzu, Monsieur Melanchthon ou bien Monsieur Melanchthon Panzu. Je suis professeur d'allemand au lycée de la Révolution. Heute sehen wir zusammen oder studieren wir die Konjugation des deutschen Verbs in Präsens des Indikativs. Aujourd'hui, nous allons étudier la conjugaison du verbe allemand au présent de l'indicatif. Bevor wir die Konjugation, da können wir schreiben, bevor wir die Konjugation des Verbs bevor also wir beginnen, die Konjugation des Verbs beginnen. Sind diese Verben in Wir können sagen, in seiner Infinitiv, ja, Infinitivsform. Reprise. Bevor wir die Konjugation des Verbs beginnen, sind diese Verben in seiner Infinitivform. Avant de commencer à conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif, comme nous avons dit là-bas, ces verbes-là sont toujours d'abord à l'infinitif. Il faut que nous retenions cela. Quand vous avez devant vous le verbe allemand, il est d'abord à l'infinitif. Donc, ce que nous avons écrit. Maintenant, la question est comment former l'infinitif d'un verbe allemand? Comment? Ou comment le reconnaître que ce verbe allemand est à l'infinitif? Voici. Donc, nous allons d'abord... La question, aber, wie bilden wir den Infinitiv eines deutschen Verbs. Aber wie bilden wir den Infinitiv eines deutschen Verbs? Also, diese Frage zu beantworten, wir müssen also der Infinitiv studieren. Also, erstens, der Infinitiv. Der Infinitiv. Ein Verb in Infinitiv zu sein,
hat dieses Verb die Endung en oder anfa die Endung n am Ende seiner Stammform. Wir schreiben das um ein Verb im Infinitiv zu sein, hat dieses Verb wir wiederholen das. Ich sage, um ein Verb im Infinitiv, Infinitiv zu sein, hat es oder dieses Verb, ja, die Endung en oder anfa, die Endung n, en oder anfa n, am Ende seiner Stammform. Wir werden das auf Französisch éclairer. Nous voulons dire ceci, mes chers apprenants. Nous allons étudier d'abord l'infinitif. Et nous disons, pour qu'un verbe soit reconnu à l'infinitif, pour que nous reconnaissions un verbe qu'il est à l'infinitif, sachant que ce verbe-là commence, a toujours, à la fin de son radical. Radical, c'est stammform. Alors, nous mettons ça entre parenthèses, radical. Stammform, c'est le radical. Il faudra donc que notre verbe ait comme terminaison en. Certains verbes auront comme terminaison en, d'autres auront comme terminaison n. Nous allons voir ça tout à l'heure avec les exemples que nous allons donner. À la fin de ce que nous appelons le radical. En allemand, le radical, on dira die Stammformen. Stamm, ça vient de racine et puis forme. Donc la forme racine, si vous voulez, hein, c'est le radical. Bien. Alors, nous allons donner des exemples par rapport à cela. On prendra deux exemples. Prenons les verbes qui se terminent avec en. Mit der Endung en. Nous disons Beispiel, exemple. Le mettons en pluriel parce qu'il y aura plusieurs exemples. Nous aurons par exemple le verbe rechnen. Le verbe rechnen. Mais le verbe rech. Nous mettons d'abord le verbe rech. Le radical rech, c'est le rechnen, mais mettons d'abord le radical. Mettons d'abord les radicaux. Hein, mettons les radicaux. Donc nous avons rechnen. Ici, nous avons le verbe le radical rech. Là, nous aurons le radical lern, comme ça. Et ensuite, nous aurons le radical, par exemple, de setz. Setz. Avec z à la fin. Voilà. Donc, nous avons trois radicaux ici. Nous avons rechn, lern, et nous aurons ici setzt. On a mis trois, ça fait rien. Mais je vais ajouter quand même, ou bien celui-là, on l'enlève, enlevons-le, et nous allons venir ici pour mettre deux exemples également avec le N. Wir werden hier beispielsweise Bügel, radical, et l'autre nous dirons Erinner.
urinaire. Voilà donc, nous avons pris quatre radicaux pour dire de pour voir comment nous allons les rendre maintenant à la forme infinitive. Nous avons dit que certains auront la terminaison EN à la fin du radical. C'est le cas, par exemple, de Rech. Rech, nous dirons Rechnen. Donc, Endung, EN. Nous arrivons à Lern. Lern, nous aurons également, au radical, on ajoute EN comme terminaison, nous aurons Lernen. Ça devient ici des verbes à l'infinitif. Avant, c'était le simple radical, mais quand on ajoute la terminaison en, en, eh bien, ça donne l'infinitif de ces verbes-là. Ça veut dire rechnen et puis lernen. Quel est le cas maintenant? Comment on va former l'infinitif de bugel et iner, qui sont ici des simples radicaux? Alors, quand on va lui ajouter n, on n'ajoutera plus ici. On ne dira pas bugelen, non, c'est bugeln. Et à erinern, on ajoutera n seulement aussi n. Et ce qui était des simples radicaux deviennent maintenant des verbes à l'infinitif. Donc, nous aurons rechnen, lernen, bugeln et erinern. Voilà pour ce qui était de la formation de l'infinitif, ou comment peut-on reconnaître que ce verbe-là a l'infinitif. Il y a donc des verbes qui peuvent se terminer seulement par une consonne. Hein? Tous ces verbes d'ailleurs se terminent par une consonne. Mais souvent, les verbes qui se terminent par le R prennent, on ne mettra pas EN, on mettra N. C'est comme erreur terme, qui veut dire, erreur terme, ça veut dire discuter, hein, discuter. Erklären, erklären. Erklären est différent quand même ici, parce que erklären, on mettra EN. Mais les verbes, il y a beaucoup de verbes, certains verbes, erreur terme, comme ici, bugeln, bummel, bummeln, bummel qui veut dire vagabonder ou aller se promener, erinern, ces verbes-là, c'est des verbes qui prennent N seulement au lieu de EN. Mais vous entendez par exemple erklären. Éclair, pourtant, se termine bien, mais on dira éclairen. Il est comme les autres verbes rechnen ou lernen qui se terminent à l'infinitif avec en. Voilà donc ce que nous voulions quand même d'abord expliquer avant de passer à la conjugaison de notre verbe à au présent de l'indicatif. Bien. So, das haben wir schon gesehen. Und jetzt mein weiß, wie eher einen Infinitiv des Verbs, wie eher einen Infinitiv kennen, wie eher, das, den Infinitiv eines Verbs, kennen. C'est-à-dire qu'il peut connaître. Comment il peut connaître donc un infinitif de verbe? Nous passons. Maintenant, au 2, puisque là c'était le petit 1, le grand 1, je veux dire. Au 2, nous allons maintenant rentrer dans notre vif du sujet. On va quand même rappeler, je vais mettre en rappel, que nous étions d'abord avec le grand 1. Le grand 1, c'était der infinitif. Der infinitif. Der infinitif. Grand 2, jetzt die Konjugation. Die Konjugation. Im Präsens des Verbs, des deutschen Verbs, im Präsens. Wir haben gesagt, im Präsens des Indikativs. So, die Konjugation. Gut, die Konjugation, diese Konjugation, gut zu machen, ja, diese Konjugation, gut zu machen, setzen wir diese zahlreichen Verben in drei Gruppen. In drei Gruppen. Ich schreibe das.
eines Deutschen. Eines Deutschen. Verbs. Gut zu konjugieren. Gut zu konjugieren. Setzen wir sie oder diese Verben, ja, in drei Gruppen. In drei Gruppen. So haben wir drei Gruppen mit zwei P, ja. Jawohl. In drei Gruppen. Um diese drei Gruppen gut zu bilden, haben wir drei Verbmuster ausgewählt. Das sind, also, wir werden das auch machen. Ah ja, ich muss eine Erklärung machen. Tous ces verbes allemands, souvent, vous pouvez pas d'emblée comme ça savoir les conjuguer au présent. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que pour bien les conjuguer, nous allons les mettre dans trois groupes distincts. Hein? Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. En français également, il existe des groupes. Donc en allemand, nous les mettons dans trois groupes. Pour ce faire, nous allons choisir ce qu'on appelle des verbes modèles. En allemand, on peut appeler ça aussi des verbes modèles, oui, des musters. On appelle ça muster. Alors, nous allons donc d'abord mettre ça au tableau. Nous disons ceci. Für die Bildung. Für die Bildung. Für die Bildung dieser Gruppe, dieser Gruppen, wählen wir drei Verben als Muster. Als Muster. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire ceci. Pour la formation de ces trois groupes, nous avons dit ici que nous allons former trois groupes qui nous faciliteront, ça va nous faciliter la conjugaison de ces verbes-là au présent de l'indicatif. Vous verrez. Für die Bildung dieser Gruppen wählen wir, ich brauche aus, ja. Es ist besser so. Auswählen. Wählen wir drei Verben als Muster aus. Das heißt, dass jedes Verb wird Gruppe 1, Gruppe 2 und wird eine Gruppe präsentieren. Ja? So haben wir gesagt, wir werden drei Verben haben. Das sind, wir haben drei Verbmuster ausgewählt. Das sind arbeiten, was noch? Wohnen, ich werde den Platz gut nutzen. Also, wir haben arbeiten. Dann kommt das zweite Verb, wohnen, und am Ende grüßen oder begrüßen. Das sind drei Verbmuster, die wir ausgewählt haben.
So, jetzt wie kann ich sagen, den Weg zur Konjugation, alle diese Verben, deutschen Verben, in Präsenz, zu meinen, werden wir die drei Verben als Muster konjugieren, und zwar ins Präsens. Alors, wir setzen zuerst die Personalpronomen. Das sind ich, du, er, sie, es. Warte mal, wir schreiben das ein bisschen so. Also ihr, er, sie und dann ihr, es. Wir meinen so. Und ihr kommen. Alle diese Personalpronomen sind im Singular. Ces trois pronoms personnels sont au singulier. Alors, nous allons donc maintenant découvrir les autres qui sont au pluriel. Das sind, donc, là, nous avions ich, qui veut dire je, du, qui veut dire tu, er, c'est il, sie, c'est elle, et le s n'a pas d'équivalent en français parce que il n'y a que deux genres en français, il n'y a, en allemand, pardon. J'ai dit deux genres. Il y a trois genres en allemand, mais il n'y a que deux genres en français. Ce qui veut dire que le troisième genre allemand qui est le neutre n'est pas représenté en français. Bien. Donc, nous continuons. Ici, nous mettons via, qui veut dire nous, ir, qui est le vous collectif, et nous avons ici zi, qui représente le il et elle pluriel, et enfin il y a la forme de politesse, n'est-ce pas, höfliche forme, qui est zi, la forme de politesse quand je dis vous venez vers moi. Quand je dis vous, je m'appelle là une personne par exemple, et j'utilise le zi là, zi comme venir, le zi là. Mais ici c'est il elle. Alors on peut représenter ça en français, ça c'est vous. Ici, non, pardon, c'est nous. Ça, c'est nous, autant pour nous. C'est nous, hein, nous. Ça, c'est nous. Nous. Là, c'est vous. If, attention. Vous, dans la classe, venez tous ici. Ça, c'est le vous collectif, pluriel. Et ici, c'est il, pluriel. Elle, pluriel. Et ici, nous aurons le « vous ». Le « vous », forme de politesse. Très bien. Maintenant que nous avons mis ça, nous pouvons passer à l'étape cruciale. Jetzt konjugieren wir die Verben in Präsenz. Also, das Verb arbeiten als Muster wird man so konjugieren. Alors, wir schreiben, wir sagen, arbeite. Arbeit ist die Stammform der Arbeiten. Und da, in Präsenz, die erste Person, Singular, man setzt ihr nur ein E. Nur E. Man also sagt, ich arbeite. Und nicht ich arbeiten. Man darf hier nicht, noch die infinitive Form hier bringen. Nein, es geht nicht. Man hier sagt, ich arbeite. Ich wohne. Ich grüße. Ich wohne. Ich grüße, sagt man. So. Die zweite Person Singular sagt man so, aufpassen, weil da
d'acheter, das problème. Hmm? Alors, man sagt hier, Arbeit, da ist hier die Stammform, Endung für alle Verben, die arbeiten, konjugiert werden, sagt man, du arbeitest, Endung, EST, sagt man, EST, Endung, EST, und das ist unbedingt so, man muss immer ELA, Buchstabe E schreiben und dann kommt S und dann T am Ende. Dritte Person Singular, sagt man, Arbeit, zuerst die Stammform und dann Endung Ö und dann kommt T. Das obligatorisch. Also, wir wiederholen. Wir sagen, ich arbeite, du arbeitest und dann ihr, er, sie, es, arbeitet. Aber wie ist das mit dem Verb wohnen? Aufpassen. Wohnen. Ich wohne, schon geschrieben. Ich habe schon geschrieben, ja. Du wohnst. Da gibt es nicht mehr E. Man sagt, du wohnst. Einfach, du wohnst. Da Endung ST. Es, man darf nicht mehr Buchstabe E nutzen oder verwenden für das Verb wohnen. Kann man nicht mehr wie arbeiten konjugieren. So, hier sagt man wohne, wohnst, dritte Person im Singular, sagt man wohnt, nur T als Endung. Kommen wir jetzt hier. Hier ist ganz einfach. Hier, die Form ist fast ähnlich mit der Infinitivform. Also, wir sagen so, mit Arbeit, sagen Arbeiten, ganz einfach, arbeiten, hier kein Problem. Aber es gibt ein Problem hier mit der zweiten Person Plural. Es wird ähnlich als wie die dritte Person Singular. Also, wir schreiben so, man schreibt arbeitet, et, wie die dritte Person, wie ihr, die dritte Person. Wir sagen arbeitet. Et wir gehen weiter, hier sagen wir arbeiten, wie die erste Person Plural, ab Ende auch hier, sagt man arbeiten, wie die erste Person Plural. Hier kein Problem. EN, 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 wie die erste Person. Alors, sehen wir, bevor wir weitergehen, ich wollte trotzdem das hier ein bisschen auf Französisch erklären. Mes chers apprenants, c'est la partie phare de la leçon. Hein, c'est l'une des parties phares de la leçon. Parce que après, ce qui va venir, ce sont les nota bene, hein, les remarques. Mais la partie phare de notre leçon d'aujourd'hui, c'est cette partie-là. Les verbes qui sont ici, là, arbeiten. Il y aura donc des verbes qui vont désormais se conjuguer comme arbeiten. Il y aura des verbes qui vont, on n'a pas fini, mais je vais terminer pour vous donner ça. Des verbes qui vont se conjuguer comme wohnen. Et à la fin, des verbes qui vont se conjuguer comme grüßen. Bien. Nous avons fini ici la troisième, pour les personnes, plurielles. Avec arbeiten, nous allons voir un peu les personnes plurielles. Après, nous allons terminer avec grüßen. Ici, nous dirons ceci pour wohnen au pluriel. On dira wohnen, première personne du pluriel, wohnen. La deuxième personne du pluriel sera exactement comme la troisième personne singulier. C'est-à-dire, nous dirons wohnt. Vente. Avec, alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? Autant pour moi. Voilà. Vente. Voilà. Il y aura seulement un T. Exactement
comme nous l'avons vu avec la troisième personne du singulier. Et enfin, les i pluriels et les i forme de politesse s'écriront comme nous avons vu avec wonen. On mettra en, on dira wonen, et là aussi nous mettons wonen. Maintenant que nous avons vu ça, voyons comment rapidement on conjugue le modèle de Grusen, le troisième. Donc, nous avons déjà vu le premier groupe, le groupe de Arbeiten, qui est représenté par Arbeiten. Le deuxième groupe est représenté par Wonen. Et le troisième groupe est représenté par Grusen. Alors, Arbeiten se levait pour travailler, Wonen se levait pour habiter, et Grusen se levait pour saluer. Bien. Alors, ici, regardez très bien, on ajoutera que un T, 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 T. Alors, regardez. On ajoutera ici, on dira « du Grust ». On ajoute un T, « du Grust ». Pas E, pas E, non, 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 non. On ajoute seulement un T. Nous allons même le souligner, le T. Et troisième personne, ce sera pareil. On ajoutera un T seulement. La différence, vous voyez, la différence avec Wonen, c'est qu'avec Wonen, la deuxième personne, il y a un S avant le T. Ici, vous n'aurez pas à mettre un S. Parce que déjà, Grusen, il faut savoir que la lettre S7, hein, la lettre S7 représente en principe deux S. Donc, vous n'avez plus à ajouter un S ici. Regardez ça très bien. Et s'il faut vraiment mémoriser ça, mémorisons ça. Alors, maintenant ici, nous allons nous retrouver exactement comme nous avons fait tout à l'heure. Alors, ici, nous aurons Grusen, pluriel. La deuxième personne sera exactement comme la deuxième personne ici, sera comme la troisième personne, c'est-à-dire, on dira Grust, avec un T à la fin. Un T, exactement comme on a vu avec Vente ou avec ici, du Grust. Seulement. Et enfin, on aura ici Grusen, E-N, et là aussi Grusen, E-N. Voilà pour les verbes modèles. Nous sommes à mi-chemin de notre cours. Maintenant que nous connaissons ceci, nous avons tout à l'heure dit qu'ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux. Die deutsche Sprache hat viele oder zahlreiche Verben. Also, wie kann man wissen, que dieses Verb, wie arbeiten konjugiert, Verb dans éclairer. Comment on peut maintenant savoir que tel verbe se conjugue comme arbeiten? Il n'y a pas de magie, nous allons vous éclaircir ça. Alors, pour le savoir, nous allons passer à ce que nous appelons on va mettre ça où, ici. On appelle ça, oui, nous allons appeler ça die Bemerkung. Wir werden drei Bemerkungen haben. C'est-à-dire, nous aurons trois remarques. Die Bemerkungen, ce sont les remarques. Donc, wir werden drei Bemerkungen haben. Nous allons avoir trois remarques. Bemerkung 1. Bemerkung 1. Wie sagt man in Bemerkung 1? Alle Verben, alle Verben, sag ich, die man, alors, ich habe alle Verben, comma, die man, alle Verben, die man, wie arbeiten, die man, wie arbeiten, ja, wie arbeiten, konjugiert, konjugiert, comma, alle Verben, sag ich, die man, konjugiert gehören zu der
groupe, sous der groupe, alle verben, die man, alle verben, die man wie arbeiten, hm? Das streichen wir arbeiten. Wie arbeiten, konjugiert, gehören zu den Gruppe 1 von Arbeiten. Von Arbeiten. Was heißt alles das auf Französisch? Tous les verbes que l'on conjugue comme arbeiten appartiennent au groupe 1 de von et arbeiten. Arbeiten représente le premier groupe. Et nous allons tout à l'heure rendre ça clair. Comment donc reconnaître que ce verbe-là se conjugue comme arbeiten, mais l'autre là-bas se conjugue comme wohnen, mais là-bas il se conjugue comme grüßen. C'est le travail qui nous reste à faire et soyez vraiment attentifs, suivez-nous. Nous disons donc ceci. Ainsi, tous les verbes dont le radical, n'est-ce pas, tous les verbes dont le radical se terminera par, nous allons le citer tout à l'heure, so, alle Verben, hmm? So alle Verben, alle Verben, wir werden ein Komma machen, so alle Verben, hmm? Wir sagen so, deren Stammform, deren Stammformen, deren Stammformen mit de fne schne gne und dann kommt tme. Ich wiederhole. So alle Verben, deren Stammformen mit de, te, fne, schne, gne, tme enden, werden wie das Verb arbeiten konjugiert. Werden wie das Verb arbeiten, meinen das hier, arbeiten, konjugiert. Wir werden das auf Französisch erklären, liebe Schüler, konjugiert. Alors, wie heißt das? Wir sagen so. Ainsi, tous les verbes dont, deren c'est dont les radicaux, hein, ou dans le radical, hein, si vous voulez ici, dans les radicaux, ils sont nombreux, hein, je dis baden, mais avec baden, il y a d'autres verbes qui auront toujours la terminaison bilden. Vous voyez, donc, dont les radicaux se termineront par de, te, fne, schne, gne, tme, dont le radical finisse, se termine par, je reprends, de, on va même souligner ça, de, te, fne, schne, gne, tme, se conjugue, seront conjugués comme le verbe arbeiten. Prenez le dictionnaire, essayez de consulter votre dictionnaire et vous verrez. Et que tous les verbes, mais il faut que vous sachiez limiter le radical. Mes chers apprenants, le radical se termine toujours par, en fait, une consonne. Et après cette consonne-là, regardez bien le dictionnaire. Vous regardez très bien le dictionnaire. Vous pouvez donc, si ça se termine par un N au lieu de EN, regardez où se termine votre radical. Ce radical, si c'est L, vous aurez un N, par exemple.
mais pas partout. Parce que Chipil aura EN. Donc, regardez d'abord le dictionnaire pour ne pas faire des faussetés. Hein? Essayez de faire ce travail à la maison, de fouiller, et vous allez comprendre comment regrouper nos verbes là, de l'infinitif, comment les regrouper dans le premier groupe représenté par arbeiten, le deuxième groupe représenté par wohnen, et enfin le troisième groupe qui est représenté par grüßen. Donc, quand vous rencontrerez un verbe dont le radical se termine, nous reprenons, par d, t, fn, chn, gn, tm, eh bien, ces verbes-là se conjugueront au présent de l'indicatif comme arbeiten. Bien. Il faut donc que nous passions rapidement à un exemple autre que arbeiten. On a vu comment se conjuguer arbeiten. Nous avons dit qu'à la première personne, vous mettez un E. La deuxième personne, il faut EST. La troisième personne, un ET. Donc, il y a un E intercalaire à partir de la deuxième personne et la troisième personne. Il y a un E intercalaire avant le T. Et avant le ST à la deuxième personne, vous mettez un E intercalaire. Et le E intercalaire revient ici à la deuxième personne du pluriel. Les deux premières personnes, c'était au singulier. Là, la deuxième personne aura également, pour tous les verbes qui se conjuguent comme arbeiten, ET. Très bien. À la deuxième personne pluriel, disons-nous. Bien. Alors, si c'est fini, nous allons donc prendre un exemple. Prenons l'exemple. Alors, quel exemple nous allons prendre ici? Nous allons prendre l'exemple que voici. Oui, nous allons prendre le verbe baden. Wir werden also das Verb baden im ins Präsens konjugieren. Also, setzen wir zuerst die Personal Pronomen. Ich, Baden, als Beispiel für die erste Gruppe. Ich, du, er, sie, es, wir, geht schon noch, ne? Wir, ihr, oder wie meinen wir, ihr und sie. Sie. Das ist mit großem S. Mit großem Sie. Also, hier, weg. Also, wir sagen, ich bade. C'est se baigner. Ich bade mich. Je me baigne. Du. Vous voyez que ce verbe-là se termine, son radical se termine par le D. Ce qui nous rend facile sa reconnaissance par rapport à son groupe. Il est du groupe arbeiten, facilement. Donc, pour que ça vous facilite la tâche, mémorisez, nous insistons, les désinences, on appelle ça les terminaisons de chaque radical. Quand vous avez ça dans la tête, vous n'allez plus vous tromper. Alors donc, nous disons, badest, comme avec arbeitest, ici, nous dirons, arbeitet. Arbeitet. Comme avec, je dis arbeitet. Badet. Ah. Donc nous dirons badet. Comme avec arbeitet. Badet. Ensuite, nous venons ici. Ici, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme la forme de l'infinitif. Baden. Ici, nous aurons la deuxième personne du pluriel. Aura la même désinence ou la même terminaison que la troisième personne du singulier. Donc, badet, badet. Et enfin, les deux personnes là auront ici l'une et l'autre baden. Donc, voilà l'exemple qu'il fallait vous donner par rapport au groupe de arbeiten. Maintenant, nous passons à die Bemerkung 2. Alors, nous changeons seulement celle-ci. Nous allons mettre ici Bemerkung 2 et nous disons alle Verben. Voilà, changeons seulement ça. Alle Verben, die man wie wohnen. Die wohnen
conjugiert gehören zu der Gruppe 2. Und sie 2 von wohnen. Von wohnen. Je crois que les apprenants suivent wohnen. Nous étions avec Arbat. So alle Verben deren Stammformen mit. Nous effaçons ceci pour découvrir maintenant les terminaisons, les désinences, les terminaisons, oui, les terminaisons de. Ah, Inden pourra être là après. Terminaisons, donc, des radicaux, des verbes qui se conjugueront comme wohnen au présent. Nous dirons donc, nous avons B. Nous avons F. Nous avons G. Nous avons H. Nous avons un. En allemand, Buchstabe là, on appelle H. Consonante H. Pas H, non. H. Bien. Ici, on dira G. Pas G. G. Hein, ce que nous appelons en français G. En allemand, on dit G. Là, il n'y a pas de problème, c'est B. Mais quand le B est final, il se prononce P. Attention. Et ici, le G final, comme dans TAC, il se prononce K. Bien. F. Nous ajoutons le L. Nous ajoutons le N, non, le M, le N, le P, le R. En fait, ils ne sont pas nombreux, le verbe qui se termine par W. Et puis vous avez, hein, donc, voilà. Donc, en fait, les consonnes, ou disons, la désinence, je voulais dire, la terminaison de nos verbes sont faciles à repérer. Hein, elles sont, ces terminaisons, très très faciles à repérer. Donc, nous disons B, F, G, H, L, M, N, P et R. Tous les verbes. Alors, maintenant, nous disons Enden, mettons ici Enden, pour ceux qui veulent prendre. Enden, werden, werden, wie das Verb wohnen, conjugiert. Nous mettons ici wohnen, conjugiert. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les verbes qui se conjuguent, que l'on va conjuguer comme wohnen, vont appartenir au deuxième groupe. Sachez que même en français, il y a des groupes, hein, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Mais nous avons pour l'allemand que trois groupes. Et donc, le deuxième groupe, nous avons pris un verbe modèle que nous avons appelé wohnen. Ça pouvait être un autre verbe qu'on pouvait prendre à la place de wohnen. Mais nous avons choisi wohnen. Comme là-bas, on a choisi arbeiten. Donc, tous ces verbes-là, dans le radical, hein, ainsi, tous les verbes qui vont se conjuguer comme wohnen, qui vont donc appartenir au deuxième groupe, auront disons, à la fin de leur radical, la lettre, ou la lettre B, ou la lettre F, ou la lettre G, ou la lettre H, bon, la lettre G, la lettre H, oui, la lettre L, M, N, P, R. Voilà, donc, en gros, parce que le T ne peut pas être là-dedans, le S ne peut pas être là-dedans non plus. Voyez? Bon, s'il y a des verbes qui se terminent par V, vous le prendrez, vous le mettrez dans le groupe de wohnen. Si le radical se termine par V ou par W, c'est dans le radical, c'est dans le groupe de wohnen que vous les mettrez. Mais nous vous avons mis ici les grandes désinences, les grandes comment il faut-il dire, terminaisons des verbes, hein, dont le radical se terminera par B, F, G, H, L, M, N, P, R. Voilà. Maintenant, comme exemple, nous allons ici enlever baden. Nous allons prendre comme exemple, qu'est-ce qu'on a pu, oui, prenons le verbe schreiben. Le verbe schreiben. Le verbe schreiben, chers amis, il est un verbe fort, mais retenez que ce verbe-là, au présent, se conjugue exactement. Vous le reconnaîtrez que ce verbe-là appartient, quand bien même, pendant que vous allez le conjuguer, si vous le mettez à l'imparfait, ben, il changera un peu. Mais retenez qu'au présent, et même à l'imparfait, ce verbe-là appartient, hein,
Ce verbe-là, au présent, appartient au groupe wonen. Alors, nous allons donc le conjuguer. Nous allons débarrasser de baden, là aussi. Et nous conjuguons tranquillement notre verbe, schreiben, nous disons « ich schreibe ». Je crois que nos apprenants ont compris que quand je mets mon verbe à la première personne du singulier au présent, on ne met plus « n », on ne met plus la « n », il y a seulement un « e », là il y a un « e ». Ensuite, comme ce verbe-là ne se conjugue pas comme « arbeiten », voici comment se conjugue la deuxième personne. Nous dirons « schreibst ». Nous allons mettre « st », n'est-ce pas? Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec « wohnen ». Et quand nous arrivons à la troisième personne, nous disons « schreibt » avec « t ». Exactement comme le verbe « wohnen » à ces différentes personnes, à la deuxième et troisième personne. « Besonder » deuxième et troisième personne. Il faut faire attention. Ici, il n'y a pas de problème, c'est comme à l'infinitif. Via schreiben, via schreiben, ir, ah, là, c'est comme la troisième personne du singulier, ich schreibt, exactement, ir wohnt, il y a un t. Et enfin, pour les zi, nous aurons ici schreiben. Comme à l'infinitif. Mais c'est pas l'infinitif, c'est la troisième personne plurielle et la personne de politesse. Voilà, il nous reste maintenant à voir comment on va comment il faut dire ça? Comment nous allons conjuguer les verbes du troisième groupe? C'est lui qui est représenté par le verbe grüßen. Alors, ça nous gardons, nous disons Merkung 3, ici, Merkung 3, alle Verben, die man wie grüßen conjuguiert, grüßen. Nous avons dit grüßen, c'est saluer, conjuguiert. Ah, schreiben, tout à l'heure, c'est le verbe, to write en anglais, ça veut dire le verbe écrire, hein, schreiben. Bien, also, alle Verben, die man wie grüßen, wie grüßen, conjuguiert, gehören zu den Gruppe 3. Zu den Gruppe 3. Hier. 3. Von grüßen. Von grüßen. Von grüßen. So alle Verben, deren Formen, deren Stammformen mit, nous allons découvrir ici, les lettres finales de chaque radical, des verbes qui se conjuguent comme grüßen. Troisième groupe. Alors, so alle Verben, deren Stammformen, dans le radical, la forme radicale, se termine par S, S7, Z, avant le Z, mettons même TZ, et ensuite Z, se conjugue comme le verbe grüßen, au présent de l'indicatif. Werden das wiederholen? Also, alle Verben, die man wie grüßen, conjugiert, die man grüßen conjugiert, gehören zu der Gruppe 3 von grüßen. So alle Verben, deren Stammformen mit S, S7. Hein, le S7 là, c'est le bêta, hein, le reconnaîtrez, c'est une langue grecque, on a dit S7. 7, T7, 7, 7. Ces verbes-là se conjugueront comme grüßen. Alors, nous allons prendre donc pour terminer avec notre leçon aujourd'hui, un exemple pour justement exprimer ce que nous avons dit là-bas, pour illustrer ce que nous avons dit. Nous allons donc mettre ici, on va effacer schreiben, qui est déjà dans notre tiroir. Nous allons mettre donc ici le verbe prénom reisen. Si nous regardons le verbe reisen,
son radical se termine bien par S. Voilà. Et que le EN, c'est la désinence, c'est-à-dire la terminaison de notre infinitif. Alors, nous allons donc effacer Schreiben, que nous avons vu tout à l'heure, et nous allons donc conjuguer pour les apprenants, ensemble d'ailleurs avec les apprenants, qui ont bien compris la portée de la leçon, le verbe reisen. Reisen, c'est voyager. Dit reise, c'est souvent vu même sur certains bus ici, reisen. Reisen, c'est le verbe voyager. Et c'est un verbe qui est faible, et pour complément d'information, c'est un verbe de mouvement. Donc il faudra le conjuguer avec l'auxiliaire sein. Bien. Alors, nous disons reise. Reise. Je crois que nos apprenants ont appris que à la première personne du singulier, on ne met plus N. Le N, c'est la marque de l'infinitif. Donc, on dira reise. Mais comme ce verbe-là se conjugue comme grüßen, nous dirons ici reist. Nous écrivons bien. Nous écrivons bien notre, autant pour moi, nous écrivons bien notre radical et on lui ajoute un T seulement, un T seulement. Ensuite, ici, ce sera la même chose. Ah, nous allons le mettre comme on a fait au départ. Là aussi, on met un T. Maintenant, quand nous arrivons à via, première personne du pluriel, nous disons via reisen, comme à l'infinitif. Ici, nous aurons exactement comme la deuxième personne du singulier, nous dirons reist avec un T, puisque le radical se termine par S. Et enfin, nous mettons ici reisen. Reisen. Hein? Sie reisen, sie reisen. Je dirais Frau X. Reisen Sie heute, ja, ich reise heute. Voilà donc, mes chers apprenants, ce que nous tenions à vous donner aujourd'hui comme guide. Alors, nous avons donc ici étudié comment on peut, surtout cette partie-là, comment nous pouvons regrouper nos verbes-là, comment nous pouvons les loger dans les trois groupes. Parce que si vous ne savez pas les loger, vous ne pourrez jamais conjuguer à bon escient un verbe au présent de l'indicatif. Voilà donc ce que nous avons préparé pour vous. Et pour que notre leçon puisse porter des fruits, des très bons fruits, nous avons préparé pour vous un exercice que voici. Übung, ça veut dire exercice. J'ai dit conjuguieren die folgenden Verben ins Präsens. Conjuguieren die folgenden Verben ins Präsens. Ça veut dire conjugue les verbes suivants au présent. Il s'agit du présent de l'indicatif, on l'a dit. Alors, das ist in, ce sont atmen qui veut dire respirer, lernen qui veut dire apprendre, et enfin setzen qui veut dire asseoir. Voilà donc les trois verbes que vous allez conjuguer en respectant, s'il vous plaît, la désinence, j'allais dire, la terminaison de chaque radical du verbe ici. Hein? Vous allez vous retrouver facilement si vous respectez ces trois règles-là. Hein? Respectez la désinence de chacun de ces radicaux-là. Par exemple, atmen se termine comment? Lernen, quel est son radical? Ici, atmen, le radical, se termine comment? Et là, vous avez zetsen, quel est le radical? Se termine comment? Voilà donc, mes chers apprenants, ce que je tenais. Moi, votre professeur, je tenais à vous donner aujourd'hui comme leçon phare pour que vous soyez à même de conjuguer à bon escient un verbe allemand au présent de l'indicatif. Et quand je dis ça, je dis au revoir et à la prochaine. Merci.